que c'était juste ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. Oula. C'est une blague. On m'a jamais dit que j'allais devoir conduire un cheval. Salut Happy Co Gamer. Comment vas-tu? Tu es bien loin de chez toi. Vous n'êtes pas les bienvenus. Aucun de vous. Il m'a sauvé. Pourquoi pas m'avoir tué comme les autres? Ça aurait été impoli. J'avais besoin d'aide. Même un ennemi mérite le gîte et le couvert. Es-tu mon ennemi, l'Américain? Drake. Mon nom est... Drake. Salim, shérif de cette tribu. Eh bien, sans vouloir te brusquer, Salim, je voudrais un cheval. Et j'ai rien à te donner en échange. Tu comptes attaquer la caravane anglaise seule? Tu les connais? Mes éclaireurs les ont suivis pendant 2 jours. Pourquoi tu es là? Que font les Anglais au Rubalcali? Ils cherchent la cité perdue d'Ubar. La cité des piliers. Ils ont mon ami en otage. Il est le seul à savoir. Une fois à Hiram, ils s'en débarrasseront. Facile. S'ils trouvent Hiram, on est tous morts. Il y a maintenant 3000 ans, le roi Salomon a invoqué la puissance des djinns. Des démons, nés d'un feu sans fumée, indociles. Il les a enfermés dans un vaisseau de cuivre qu'il a jeté au fond de la cité. Depuis, Hiram est maudite, hantée par les esprits tourmentés des djinns. Les Anglais ne doivent pas atteindre la cité. S'ils libèrent le pouvoir des djinns... Pas beaucoup de temps. Non. Mais ils sont nombreux. On ne peut pas les attaquer de front. Ce soir,
repos. Demain, ils arrivent au canyon. À nous de jouer. Départ à l'aube. Ok. Bon. On est toujours à cheval. Vers le convoi, viens avec moi. T'éloigne pas, reste là. Je suis à côté de toi, t'es sérieux mec? Économise tes balles, ils sont trop loin, hors de portée. C'est un raccourci, reste avec moi. Vite, on y est presque, allez. Là, c'est notre chance. On y va. Hey, grimpe sur les camions. Descends-moi ces mecs. Je suis de gauche. Ok. Non, putain, mais c'est pas possible, le mec il saute comme un con. J'ai même pas appuyé. Probablement à l'avant. Oh putain, mais je prends des balles, je comprends pas de où en fait. Ok, j'ai compris. D'ailleurs, on charge vite. Suis-moi. Ok, nickel.
Oh, j'ai pris beaucoup de balles. C'est moi qui conduis ou pas? Mais lol, putain, mais c'est n'importe quoi ce jeu quand même. Ouais, 21-22, mais c'est un peu du n'importe quoi parce que je suis pas censé prendre des balles et je les prends quand même. Alors, vive le jeu bugué, enfin, le jeu pas logique surtout. Mais putain! Ouais, 21-22, c'est un truc du genre. Mais là, ça me saoule parce que je meurs pour rien là. C'est hop. Et sinon tu meurs quand? Je vais attendre de régène. Hop. Putain, j'ai cru qu'il sautait dans le vide, le mec. Ouais. 22, ok. Prends ma main, je te tiens.
Eh bah. Ça va? Ouais, ouais, nickel, mais... Merde, j'étais sûr qu'ils t'avaient tué. Ouais, ils ont tenté, hein. Mais comment t'as fait pour me trouver dans ce coin perdu? On m'a aidé. Salim. Sullivan, merci. Le temps est compté. Faut pas les laisser atteindre la ville. C'est vrai, Nate. Je viens de passer plusieurs jours avec ces ordures. Et je sais pas ce que cherche Marlowe exactement. Mais il s'agit pas d'un trésor, il faut les arrêter. Drake, faut y aller, vite. Viens là! On s'ennuie pas, hein, Sully? Jamais de la vie! Viens! Déjà j'ai fini le chapitre 20 je pense. C'est le convoi. Reste derrière. Je vais aller voir. Tu l'as eu. Comment trouver qui que ce soit dans cette tempête? Ah ouais. Ok. Sinon, on peut toujours essayer de se la faire en infiltration. Parce que pour le moment, ce que je viens de faire, c'était pas tip top. C'est dingue ça quand même, putain. Qui va là? Putain! Ah, ça me saoule! Thank you.
Elle est où son arme? Ils ont dû être séparés par la tempête. Allez. Allez, montre-toi. Il est où le lance-roquette? Alors par contre ça va pas le faire mon gars. Ouais, moi aussi, j'espère qu'il y aura plus de personnes sur le live à 10h.
Il est mort le mec ou pas? Je crois que c'est bon. Putain. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Là-bas, ça en fait des choses illustrées. C'est immense. Oh, hey, j'ai pu récupérer ton carnet auprès de Marlowe. Je pensais que ça pourrait servir. T'as ça dans le sang. Celui là-haut. J'ai trouvé un truc. Regarde de l'autre côté. Attends là. J'y suis presque. Merde. T'es prêt? Allez. Comme dirait Victor Sullivan, j'en crois pas mes yeux. C'est bien là. Victor Sullivan, bienvenue à Ubar. Incroyable. Voilà comment la cité a pu prospérer. Alimenté par une source souterraine. Elle est pure. C'est fou qu'elle coule encore après tout ce temps. Enfin, encore ce chapitre plus le prochain et j'aurai fini. Ça, c'est quelque chose. Quoi? Non,
pitié. Sully. Ok. What? What the fuck? Attends, non mais c'est quoi ce bordel? Putain, c'est une blague. Ce jeu, c'est une grosse blague. Ok, une 4 c'est trop de la merde, putain.
me saouler longtemps. C'est bon. Eh ben. Talbot, reviens ici, espèce de connard. C'est impossible. Où est-ce que je suis? C'est Carthagène. Je suis venu ici quand j'étais petit. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde. Oh non. Oh non. J'y comprends rien. Il est presque 7h du mat. Ouais. Non. Non. Non, approche pas. Oh non. Oh non, c'est quoi ça? Tout. Tout bouge. Il faut que je sorte. Je dois sortir de là. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je vais les tuer. Putain, ça va recommencer. Vous avez tué Sully. Je vais vous buter pour vous tuer.
pas où est-ce qu'il faut que j'aille exactement. Ah non, je crois qu'il faut que je descende. Eh ben, putain. Désolé. Mais tu es scellé. Là, c'est pas réel. C'est pas réel. Je dois sortir. Oh putain. My god, putain, ça va pas recommencer là. Oh là, j'ai gâché une balle. Mais il prend trop cher, Nathan, c'est ouf. Il est bientôt fini. Ouais, mais il me rend dingue. Sully ? Sully ! Hey, Sully ! Non, non. Sully ! Non, non, non. Heureux. Je vois même pas ce que je peux essayer de faire avec. Je vois même pas ce que je peux faire.
vois pas ce que je dois faire. What the fuck? Faut que je fasse quoi? Ah là-bas, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Ah là, regardez, c'est bon. Oh my god, bon allez. On est dans la dernière phase. On est dans le dernier chapitre. Bon bah j'étais contre un mur mais c'est pas grave. Ah ouais d'accord ils sont là. Ils vont me tuer. Ouais, on l'a eu. Non. Oh, mais lol. Mais Nathan, t'es trop con, putain. Tu balances la grenade contre le mur.
crois que je suis bientôt mort. C'est fini. Oh my god. Oh, je me saoule, il balance. Tu gères la... Non, je gère pas du tout, je fais de la merde. Voilà, je recommence. Ça va péter. Je crois qu'ils se sont tués tous les deux en même temps. Ah ouais, non mais j'ai pas arrêté de me faire avec la grenade contre le mur. C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Et ça, c'est réel? What the fuck? C'était quoi alors tout à l'heure? C'était une illusion? Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh hey, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. D'accord. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit... Ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? C'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre. Et l'a jeté au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais, ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elizabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Il voulait pas de trésor, mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage. Et réécrit l'histoire. Ben, on est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes.
regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'aller en bas. Allez, dépêche-toi. Ça va être le bordel. Tu te sens prêt ? C'est parti. Incroyable. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. C'est incroyable que tout soit pas encore effondré. C'est dingue que ça tienne encore. C'est là qu'on doit traverser. Aide-moi à ouvrir. Alors les balles qui passent à travers le mec, on en parle. Baissez la tête. Eh, le mec, il prend pas ses putains de balles. Il est 7h06 et toujours là. GG. Ah
Ah putain, ils vont me saouler. Ok, j'ai lancé sans faire exprès. Oh, excellent, j'ai bien lancé. Eh, je vais péter un câble, hein. Je vais péter un putain de câble. Non mais c'est pas possible, hein. C'est vraiment un jeu de merde. Mais jamais, plus jamais je touche à ce jeu. J'arrive pas, hein. Voilà. Et voilà que je recharge pendant que j'y vais. Du coup. Ouais, excellent. Eh mais tu te... Mais il se fout de ma gueule. Mais... Mais putain, tu vas... Tu vas t'accrocher au mur, ouais. Mais c'est une blague, putain. Et je reprends là. On les a piégés. Allez, vas-y, meurs. Thank you.
C'est la fatigue, les nerfs sont tendus. Ouais, c'est peut-être ça. Oh ouais, non mais là, en plus je suis crevé. Il est que 7h. Il reste 5h de live. Heureusement que ce jeu est bientôt fini. J'aurais peut-être pas tenu. On doit passer là. Attends, parce que là il y a le boss de fin et tout. Ça va être encore plus galère. Voilà le réservoir central. C'est là qu'ils vont être. T'es prêt? Ah ouais. C'est le pont qui traversait. Ça doit être là qu'ils vont. Doucement. Faites attention. Oh ouais, j'arrive pas à y croire. On doit sortir ce truc. T'as une idée? Bah, ils sont clairement plus nombreux. On peut se séparer et les encercler. Ouais, ce serait le mieux. Alors, mais c'est pas possible, ça me choque. Les méchants se prennent pas les balles des fois. Oh oui, non mais ils se prennent que dalle des fois, c'est affolant. Allez, on y va. OK. Putain, à chaque fois je l'oublie. Une...
Allez, on y va. Chili, par là! Allez, viens m'aider! Foutons le camp d'ici! Oh my god! Ils arrivent, à terre! Là-haut. Attention. Oh là là, my god. Faut courir. Dépêche. Celui, il faut qu'on sorte de là. Tout va s'effondrer. Avec trois putains de balles. Mais comment on vient pour faire ça? Avec trois balles. Cours. Allez. Oh my god. C'est bon.
Oh merde. Oh là là, my god, c'est dur, c'est très dur. Mon Dieu. Yallah, oui. Oh, on a fini. On a fini Uncharted pour le live. Le live, il y a encore 4h40. Bye. Ça fait pas beaucoup. Ça suffit. Ouais. Oh my god. Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. Dis-moi. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non, écoute-moi. Il le faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et, je suis pas quelqu'un de parfait. Tu me fais ta demande, Sully? Je t'adore, non, mais... stop. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur. Donc c'est son alliance avec Elena. Hey.
Tu vas quelque part? Peut-être. Je suis vraiment désolée pour ta bague. Ouais, c'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Mais... Venez! Et confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai! Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais... C'est grand. Allez! Voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Oh oui. 3. Bah, plus ou moins. Oh my god. Enfin fini.